Bonjour à tous, c'est Arsène. Aujourd'hui les amis, une nouvelle vidéo dans laquelle la roue de la fortune décide de l'avenir de l'équipe de France. Vous étiez hyper nombreux à me l'avoir demandé en commentaire. Dans cette vidéo, on va mettre l'équipe de France en première ligue. Et on regarde le classement actuel de la première ligue. Southampton a terminé dernier. On va tenter de redorer l'image de Southampton et de les faire terminer peut-être premier de première ligue. Je vous rappelle la règle, on a une roue différente pour le top 3 de l'équipe de France. Donc pour Mbappé, Mike Maignan et Nkunku. Et cette roue va décider de leur avenir. La roue peut très bien les transférer, les licencier, les booster en stats comme également les rendre vraiment nuls. Et ensuite, il y aura une deuxième roue un peu moins forte pour les autres joueurs titulaires et remplaçants. L'objectif, ça va être de battre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Est-ce que l'équipe de France, située en première ligue, arrivera à faire mieux que Manchester City ou également que le PSG et le Real Madrid dans les épisodes précédents? Pour ce faire, on est parti sur la dernière liste Didier Deschamps de l'équipe de France. Donc les 23 derniers joueurs sélectionnés. Et vous le savez également, à chaque fin d'année, il y aura également la roue du mercato pour déterminer le nombre de transferts, le budget également et quel poste on pourra recruter. Mais cette fois-ci, uniquement des joueurs français. Et voici donc la nouvelle équipe de Southampton, uniquement composée de l'équipe de France, des 23 joueurs sélectionnés dans les titulaires, remplaçant également dans les réservistes. On part maintenant directement sur la roue du hasard pour déterminer l'avenir de ces joueurs. Nous sommes partis, on commence directement avec la meilleure carte de l'équipe de France. Bien sûr, il y aurait pu avoir Benzema, mais il n'est pas dans la liste de Deschamps. Nous sommes partis, on commence avec la meilleure carte, monsieur Kylian Mbappé pour commencer, qui va avoir, pas de transfert s'il vous plaît, sa top carte. Oh là là, exceptionnel. Votre joueur aura les stats de sa meilleure carte sur FUT. Cette année, la meilleure carte de Kylian Mbappé, sa carte 97. Team of the season. Comment mieux commencer? Je ne sais pas. On enchaîne avec Mike Maignan. Est-ce que ce sera aussi bien pour le gardien français? Oh, la pire carte peut-être? Non, plus de partout. C'est parfait également, Mike Maignan qui passe donc de 87 à 89 de général. Et on termine cette roue du top 3 avec Nkunku. Pour terminer, ensuite ce sera une roue différente pour les joueurs titulaires et remplaçants. Christopher Nkunku qui lui va avoir plus 3 partout. Mais attendez, l'équipe de France part sur des bases mais exceptionnelles. Il n'y a eu aucun malus, c'est trop bien. Nkunku qui aura maintenant 89 de notes. On commence direct par les postes offensifs avec Kingsley Coman pour commencer. Le joueur du Bayern Munich qui lui va avoir 99 partout. Mais alors là, on part vraiment, je pense, pour terrasser l'Europe. L'équipe de France bat tous les records, soyez prêts. On enchaîne avec Ousmane Dembélé. Est-ce que la chance va continuer? Une étoile geste technique pour Dembélé qui va devoir jouer plus propre, plus facilement. Peut-être que ce sera mieux pour lui. Bon, après, si il sait plus faire de crochet, ça va être chaud. Tchouaméni qui va enchaîner avec un pack est égal les stats normalement si on s'arrête là. C'est bien ça. Ouverture d'un pack à 40 000 crédits. Tchouaméni qui aura une note de 85, Diogo Jota. Il avait 83, plus 2 également pour Tchouaméni. Tout nous réussit. L'équipe de France est partie pour tout détruire. Adrien Rabiot qui lui va avoir un transfert. Malheureusement, on doit enlever Rabiot de la sélection. Il part donc, allez, en Belgique ou en Suisse, dans les pays voisins. Au tour maintenant d'Antoine Griezmann, qui peut nous sauver également mieux de terrain, vu qu'on a perdu Adrien Rabiot maintenant. Pas de licenciement, pas de licenciement. Aïe, aïe, aïe. On a perdu Adrien Rabiot, et maintenant on perd Antoine Griezmann, licencié. Faute grave en équipe de France. Ça partait trop bien, je vous avais prévenu. Bon après, il est un peu âgé, j'espère qu'on va pouvoir miser sur la jeunesse, autour de Camavinga cette fois-ci. Eduardo Camavinga qui va avoir passé stade de FIFA 20. Allez, avance encore un petit peu. Aïe, 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 ces stades de FIFA 20, à mon avis, c'était pas fou. Et il avait une carte argent avec 72 notes générales en étant encore au Stade Rennais. Autour de Randal Kolo Muani, le sauveur de l'équipe de France lors de la finale. Est-ce qu'il pourra nous sauver également dans ce concept? Plus 10 cm pour Randal Kolo Muani qui va devenir un vrai atout pour les centre-têtes. Fofana de l'AS Monaco qui va avoir une étoile, geste technique, pas très grave. Autour maintenant d'une légende, le meilleur buteur actuel de l'équipe de France, Olivier Giroud, qui lui aussi va être transféré. C'est la catastrophe ce qu'il se passe dans ce club. Bon après, c'est pas comme si j'avais perdu Mbappé, ça va encore. Marcus Thuram désormais qui va avoir plus 3 partout. Ça c'est une nouvelle intéressante, je crois qu'il a 80 ou 81 de général. Il passe donc maintenant à 83, ça reste largement utilisable. Théo Hernandez maintenant, notre défenseur gauche, qui va avoir 99 partout peut-être. Oh non, moins 10 cm, on était à ça d'avoir 99 dans toutes les stats pour Théo Hernandez. Dommage. Konaté, le défenseur de Liverpool, qui va avoir une étoile geste technique, lui aussi. On a une équipe qui devient de moins en moins technique. Son acolyte de la défense centrale, Upamecano, qui lui va avoir un contrat de 4 ans en plus en équipe de France. On signe, pas de souci. On enchaîne avec le FC Barcelone, Jules Koundé, qui lui va également avoir plus 4 ans. Très bien. Deuxième gardien de l'équipe de France, Alphonse Areola qui va avoir 5 étoiles geste technique. Et ben voilà, on récupère un peu de technique quand même, même si c'est un gardien. Défenseur gauche du Real Madrid, Ferland Mendy qui lui va avoir ses stats de FIFA 18 ou moins 2 partout. Ce sera moins 2 partout. Il passe donc de 83
à 81. Il sort de nulle part, une frappe de bâtard, autour de Benjamin Pavard, plus 3 partout. Voilà qu'on regagne un peu de confiance. 84 pour Pavard. Il nous reste maintenant 3 joueurs. Wesley Fofana, le joueur de Chelsea qui sera sur le banc pour toute la saison. En même temps, je pense qu'il serait quand même sur le banc. Ensuite, Axel Disasi de l'AS Monaco, le défenseur central, qui va avoir plus 4 ans de contrat. De justesse. Et le dernier joueur, le gardien, la pépite du Racing Club de Lens, Monsieur Brice Samba, qui aura un pack est égal les stats. Quelles seront les prochaines stats de Brice Samba? On découvre ça tout de suite. Un pack à 40 000 pour Brice Samba. Et le résultat, ça va être... 83, Angelino. 83, je crois qu'il avait 80 de général. Plus 3 pour Brice Samba. Voici à quoi ressemble l'équipe de France à Southampton. On la regarde ensemble. Avec bien sûr Mbappé qui a maintenant 97 de notre général. Sa version Todd, sa meilleure carte de l'année. Kingsley Coman, 99 de général. Nkunku, 89. Mike Maignan, 89. Et également, on va trouver des petites subtilités comme Areola, 5 étoiles gestes techniques. Colomwani qui fait maintenant 1m97, exceptionnel. Et Kamavinga qui a retrouvé ses stats de FA 18, soit 72. Ou FIFA 20, je sais plus. Nous sommes partis pour la carrière avec Southampton. C'est parti. Et bien sûr, petite difficulté, il n'y aura pas de Ligue des Champions la première année pour Southampton. Contrairement au PSG, au Real et à Man City. Ça fait toujours un trophée en moins à gagner. Bref, on est parti, on simule la première année. Rendez-vous en fin juin 2023 pour voir ce qu'a fait l'équipe de France en première ligue. Nous y sommes, juin 2023, on découvre ensemble les résultats. Alors, est-ce que l'équipe de France a réussi à gagner la première ligue? On découvre ça tout de suite. L'équipe de France qui a terminé deuxième du championnat, juste derrière Manchester City. Et donc, un trophée de moins pour l'équipe de France. Ça commence mal. Au moins, on sera en Ligue des Champions l'année prochaine. La coupe remportée par Aston Villa et on a perdu de notre côté, malheureusement, au 6ème tour contre Coventry City. La honte. Carabao Cup, on perd en quart de finale. Et donc, une saison blanche pour l'équipe de France. Ça commence super mal. Victoire du Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. Incroyable. On va dire que c'est la première saison. On découvre maintenant les notes des joueurs. Est-ce qu'ils se sont améliorés? Les notes des joueurs, on les découvre maintenant avec Mbappé qui est resté à 97. Nkunku 90 qui a pris plus 1. Coman 99. Tchouaméni 86. L'équipe de France qui s'est bien améliorée. Hernandez plus 2 également, 88 maintenant. Plus 3 si je me trompe pas. Comment cette équipe n'a pas gagné la première ligue? Je ne comprends pas. Au niveau des buts, Kingsley Coman 46 matchs, 31 buts, 10 passes D. Mbappé 27 buts, 13 passes D. Nkunku également pas mal, 14 buts, 12 passes D. Je pense que cette équipe doit largement faire mieux. Une saison blanche pour commencer. Et comme à chaque fin d'année, la roue du mercato pour définir le budget qu'on aura pour améliorer l'équipe de France. En espérant qu'on ait au moins quelques joueurs sympathiques. On va commencer par un budget de 100 millions. Maintenant, on découvre ensemble le nombre de transferts. Attention parce que ça peut très bien être zéro transfert. C'est parti. On aura le droit à 4 transferts maximum. On s'en sort bien. 100 millions de budget, 4 transferts max. Et maintenant, on découvre ensemble les postes qu'on pourra recruter. Premier poste, ce sera un milieu de terrain. Bien sûr, que des Français à chaque fois. Deuxième poste, encore un milieu de terrain. Après, ça peut être un MOC, MD, MG, etc. Troisième poste, on aura le droit à un attaquant. Et quatrième poste, le dernier pour terminer, encore un attaquant. Donc deux milieux de terrain, deux attaquants, si besoin. J'ai envie de partir chercher Rabiot, qu'on a malheureusement dû vendre de cette équipe. On va regarder ensemble quelle est sa valeur. On va tenter un 35 millions pour Rabiot, sachant qu'on a 100 millions en tout. Ça me paraît convenable. Et c'est accepté. Parfait. On va maintenant tenter un N'Golo Kanté, histoire de le remettre en équipe de France en forme. Allez, ils veulent prendre Thuram. Je suis presque prêt à le lâcher. Ça nous fera un N'Golo Kanté pour simplement 5 millions et ça nous laisserait donc deux attaquants ensuite à recruter. Allez, ça part. Il nous reste maintenant deux attaquants à recruter, sachant qu'on a perdu Marcus Thuram. Mais il nous reste 60 millions de budget. On va tenter un Alexandre Lacazette, lui qui est très en forme en ce moment. 29 millions pour Lacazette, c'est accepté. Magnifique. Il nous reste maintenant 31 millions de budget. On peut se tenter un Wissam Ben Yedder. C'est parti. On le tente à 29 millions. Ils veulent 29 millions 200 000. Avec plaisir. C'est parti. Wissam Ben Yedder qui rejoint donc l'équipe de France lui aussi. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on a dépensé 98 millions sur les 100 millions disponibles. Incroyable. 99. Là, on a plutôt bien géré le budget. Rendez-vous maintenant en juin 2024. Je vous rappelle que cette année également, on jouera la Ligue des Champions. Donc j'espère que ce ne sera pas une saison blanche. Nous y sommes, juin 2024 et fin de la deuxième année. On découvre ensemble les résultats. Alors, est-ce que l'équipe de France a réussi à gagner la première ligue cette fois-ci avec des renforts? Ça devrait le faire. Le classement est malheureusement deuxième place encore une fois.
derrière Manchester City, 86 points pour Man City, 83 points pour Southampton. On va regarder maintenant quels ont été nos parcours en Coupe et également en Ligue des Champions. Premièrement, la Coupe qui a été perdue en demi-finale, la FA Cup, contre Leicester qui ensuite a gagné. Ensuite, on a gagné la Carabao Cup et première Coupe de notre histoire. Incroyable. Allez, dites-moi que c'est une bonne nouvelle et qu'on a gagné derrière la Ligue des Champions. La Ligue des Champions qui a été remportée par le Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich, ça me rappelle quelque chose. Et notre parcours, il s'est arrêté en phase de poule. Oh mon Dieu, on n'a pas réussi à passer les poules contre la Lazio et le FC Porto. Donc on était en Europa League. Et l'Europa League, on a perdu malheureusement en quart de finale contre l'OM. L'Europa League remportée par l'Atlético Madrid. L'équipe de France qui perd contre l'OM. Que s'est-il passé? Regardez-moi cette équipe. Mbappé qui a maintenant 98 de notes. Coman 99 toujours. Tchouaméni 89. La défense, ils ont tous 86. Hernandez 90. Comment on ne peut pas tout gagner avec cette team? Je ne comprends pas. Le résumé de la saison, il est un petit peu mieux. On gagne une compétition, ça fait un trophée. Malheureusement, je pense qu'on peut faire tellement mieux. J'espère qu'on va faire une belle année avec l'équipe de France lors de la troisième année. La roue du mercato pour cette troisième année, on découvre ensemble le budget qui sera attribué. Il va falloir améliorer cette équipe. Le budget qui sera de 40 millions simplement. Ça fait pas beaucoup. Le nombre de transferts désormais qui sera simplement de 1 ou 2 transferts, ce sera un transfert. Et le poste pour terminer, vous connaissez maintenant la logique, ça sera un défenseur pour terminer, sachant que ma défense est déjà pas mal. Un défenseur à 40 millions, j'ai envie de tenter un Simacan en espérant que ça passe. Vous savez quoi, on va direct mettre 40 millions. Hop, c'est parti. On a 40 millions, on les dépense. Ah, ils veulent Fofana, plus 29 millions. Je leur propose 40 millions plus un pourcentage de revente de 25%. L'OGC Nice qui accepte 40 millions plus une clause de revente de 25%. C'est parfait. Mohamed Simacan qui va donc rejoindre l'équipe de France. Rendez-vous maintenant en juin 2025. À mon avis, l'équipe de France n'était pas encore rodée. Et cette année, on va tout gagner. Je vous l'assure. Juin 2025, fin de cette troisième année. J'espère qu'on a tout soulevé. Alors, un petit tour sur l'équipe pour commencer. Regardez-moi ces notes. Elles sont de plus en plus monstrueuses. La défense, elle fait peur. On découvre maintenant le classement. Et enfin, nous sommes champions de Première Ligue pour la première fois. La troisième année, c'est la bonne, je vous avais prévenu. 8 points d'avance sur Manchester City. On découvre maintenant les autres coupes. Donc ça fait un trophée. Est-ce qu'on a gagné une autre coupe? On n'a pas gagné la Emirates FA Cup. Défaite malheureusement au 6ème tour. Ensuite, la Carabao Cup remportée pour la 2ème fois consécutive. 2 trophées cette année pour l'instant. Et maintenant, s'il vous plaît, la Ligue des Champions. On la veut. Qu'en est-il de la Ligue des Champions? Super coupe de l'UEFA. On n'y était pas. Ligue des Champions remportée par Séville contre le Paris Saint-Germain. Mais où sommes-nous? Nous ne sommes pas en demi-finale, nous ne sommes pas en quart de finale, nous ne sommes pas en huitième, et encore une fois, on a terminé troisième de notre poule. Comment c'est possible? Comment l'équipe de France, avec des notes aussi fortes, ne se qualifie pas en phase finale? Donc on était en Europa League, et l'Europa League, remportée par l'équipe de France, par Southampton, contre Bergamo Calcio, contre l'Atalanta Bergame, au pénalty. Le parcours contre Celtic Glasgow, contre le Stade Rennais, de justesse, est décidément... On a du mal, mais ça fait tout de même un trophée supplémentaire. Fin de cette saison, ça reste tout de même plus que convenable avec une victoire en Europa League, en Carabao Cup et également en Première Ligue, la première de notre histoire. Maintenant, s'il vous plaît, quatrième année, on veut absolument un beau parcours en Ligue des Champions. Année numéro 4 et nouvelle roue du Mercato. C'est parti. Le budget pour cette quatrième année qui sera de 20 millions simplement. Wow, il me complique la tâche à chaque fois. On passe de 40 millions à 20 millions. Le pire, toujours mieux que rien, c'est vrai. Nombre de transferts, on aura le droit à 2 transferts maximum avec 20 millions. De toute façon, 20 millions, je pense qu'on n'aura qu'un seul joueur. Et les postes, pour terminer, on va commencer par un défenseur. Et ensuite, deuxième poste, si besoin, avec les 20 millions, ce sera un attaquant. Il nous reste 20 millions pour un jeune français attaquant, Bradley Barcola. On va le tenter. 20 millions direct, c'est ce qu'on avait. Et forcément, l'OL qui est d'accord. Voilà, à mon avis, un peu cher payé, je pense. Ah ouais, il valait que 5 millions. Mais bon, j'ai confiance. Rendez-vous en juin 2026. Nous y sommes, fin de cette quatrième année. On découvre maintenant à quoi ressemble l'équipe. Regardez-moi ces notes de fou. Nkunku 92, Tchouaméni 93, Kanté qui est monté également 91, la défense, rien à dire. Et le banc, ils ont tous 83, 84. Kamavinga qui reprend doucement du service. Sans oublier Simacan qui a déjà 85 de notes. Maintenant, les résultats de cette quatrième année. Est-ce qu'on a gagné la Première Ligue? Eh bien oui, avec une victoire écrasante sur Man City. 93 points, 2 Premières Ligues d'affilée. Ensuite, on regarde les coupes, comme d'habitude. Le Community Shield remporté par Southampton. La FA Cup également remportée. Incroyable, meilleure année. Est-ce qu'on gagne encore une fois la Carabao Cup? 3 fois d'affilée, on regarde ensemble. Et non, malheureusement, défaite
en demi-finale contre West Ham. Qu'en est-il de la Ligue des Champions? Est-ce qu'on a enfin fait un bon parcours en Ligue des Champions? C'est ce qu'on attend depuis le début de cette vidéo. Bon, ça, cette coupe, on oublie. La Ligue des Champions, non, la Super Coupe de l'UEFA remportée également par Southampton. Exceptionnel. Là, on est en train de faire une année incroyable, je vous avais prévenu. Et maintenant, il ne manque plus qu'une Ligue des Champions. La Ligue des Champions qu'on perd en finale contre le Paris Saint-Germain. Décidément, on aura perdu contre l'OM, contre le PSG. Ça ne veut pas. La France qui perdra contre les clubs français. Le parcours de cette Ligue des Champions, donc défaite en finale contre le PSG, victoire contre le Barça au tir au but, victoire également contre Napoli et contre Milan en 8e. On avait enfin passé les poules et de justesse. Ça reste une superbe année. Et également, il y a la Coupe du Monde en direct. On va suivre le résultat de la France qui a dans son groupe l'Écosse, la Chine et le Canada. Franchement, superbe année pour l'équipe de France. Remplie de trophées. J'espère que la dernière année sera la meilleure de toutes. Pour l'instant, 8 trophées obtenus par l'équipe de France qui a, je pense, dépassé Manchester City. On simule la fin du mois de juillet 2026 pour découvrir ensemble qui gagnera la Coupe du Monde 2026. Bon, j'avoue que si on gagne avec la France, je ne l'ajouterai pas dans les titres. La France qui a terminé premier de son groupe. Ensuite, victoire de la France contre le Danemark 3-1 en 8e de finale. Victoire de la France contre la Belgique 2-0 en quart. Victoire contre l'Angleterre 2-1 en demi-finale. Et la finale, la victoire 4-1 pour l'équipe de France qui en plus de ça gagne la Coupe du Monde. 3e étoile sur le maillot. Ça c'est cadeau, petit bonus juste pour vous. Le dernier mercato, 5e année, on découvre ensemble le budget final. Nous aurons le droit, allez, un petit 200 millions, un petit 200 millions de budget pour terminer en beauté. De quoi prendre les meilleurs joueurs français non sélectionnés. Le nombre de transferts, on aura le droit. 4 transferts, ce sera incroyable. 4 transferts? Non. 0 transfert. Nous ne pourrons pas recruter de joueurs, malheureusement. 200 millions de budget et 0 joueurs. On était à ça d'avoir 4 joueurs. Je suis dégoûté. Et donc, une dernière année sans recrutement pour l'équipe de France. Bon, en vrai, vu la saison qu'on vient de faire, je pense qu'on n'a pas besoin de recrutement. On a une équipe parfaite. On termine donc en juin 2027, simulation de cette 5e et dernière année. Nous sommes maintenant en juin 2027. Fin de cette 5e et dernière année de simulation avec l'équipe de France. Est-ce qu'on a fait la meilleure année? On découvre ça ensemble, c'est parti. La défense qui est montée, un truc de ouf. 92, 91, 88, 92. Nkunku qui a 93 de notes. Sur le banc, 84, 85, franchement, que des belles notes. Pour ce qui est maintenant des résultats, c'est parti. La première ligue remportée est de loin 20 points d'avance sur Liverpool. Et donc une 3e première ligue d'affilée. Ensuite, les coupes. Victoire en Community Shield. On continue les coupes. Victoire également en FA Cup, 3-0 contre Norwich. Pour l'instant, on gagne tout. Si ça peut continuer comme ça, je dis pas non. On gagne encore Carabao Cup, victoire 1-0 contre Arsenal. Est-ce qu'on aura une autre coupe de gagner? Malheureusement, Super Coupe de l'UEFA, on n'y était pas. Victoire du Paris Saint-Germain. La Ligue des Champions, remportée par Southampton, 2-1 contre le Bayern Munich. Et bah voilà, on l'aura fait. La Ligue des Champions, elle est à nous. Pour l'équipe de France, on a enchaîné Coupe du Monde et Ligue des Champions, c'est beau. Victoire contre le Bayern, victoire contre la Juventus, victoire contre la Roma, contre Leipzig et en poule on a gagné contre la Roma, Porto et Slavia Prague. Franchement, j'ai rien à dire, je suis heureux, on termine en beauté. De quoi cumuler pour l'équipe de France en tout 13 trophées en 5 ans, sachant que les deux premières années, on a eu simplement un seul trophée. L'équipe de France est revenue en force. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter et bien sûr abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.